de la sanction dans ceci. S'il faut sanctionner ou non dans ceci. Ce n'est pas un problème de Vatican, c'est un problème mondial. Est-ce qu'il faut à chaque fois sanctionner quelqu'un? Est-ce qu'effectivement la sanction ça améliore l'homme? Là, c'est un problème qui n'appartient pas au Vatican. La seule chose qui appartient à ce terme que j'ai fini, c'est-à-dire Bacham Bangan, c'est juste pour le problème culturel. Juste pour le culturel. Quand nous posons un problème, une question dans notre. Si vous y allez au fond, vous comprendrez que ce problème appartient à toutes les sociétés. Nous avons pas ce problème de christianisme. Nous l'avons abordé dans notre œuvre comme un problème qui est dans le christianisme. Mais il se trouve que toutes les sociétés, en dehors de celles qui ont créé le christianisme, ont subi le christianisme, ont abandonné ce qu'ils avaient comme leur croyance en Dieu pour adopter. Vous allez par exemple en Amérique du Sud, les Incas. On ne sait pas le christianisme, mais on leur a appris, ils ont abandonné tout ce qu'ils savaient de par leur propre culture. Leur science à eux a disparu. Et quand je te le problème politique est posé, ce n'est pas un problème qui s'est réduit à ma zone d'action. Non, c'est un problème national, c'est un problème mondial. Partout dans le monde, il y a des luttes politiques. Partout dans le monde, il y a des gens à qui on demande si vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas ça. Or, parce qu'on le lui dit, il est obligé de le faire parce qu'il a besoin d'avoir telle chose. Donc, comme je viens de le dire tantôt, il a fallu que je définisse quand même, comme on dit, mon domaine de définition, dans lequel je vais évoluer, dans lequel je sois ancré quelque part. Vous avez